Ablie non, Léon Charles, monsieur décidé écrit avec ministre des Affaires étrangères haïtien, qui c'est Jean-Victor Généis pour dire que li après mettre démission. Bon, li remettre démission, vous me dites bien. Puisque non cité dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, non. Et dans l'ordonnance que juge Walter Hussein Walter lui-même n'y rend, non. Qui a 122 pages là-dedans, li clairement voyé Léon Charles, Martine Moïse, Claude Joseph, Jean-Théa Joseph, André Zéphirin, Gonzague Deye, et bien, on ensemble de l'autre monde encore, à le juger devant le tribunal criminel pour question implication d'assassinat président Jovenel Moïse. Nous pourrons regarder ça, nous pourrons continuer à regarder ça. Moi, j'ai plus d'amis qui ont réagi le fait que, moi, Agnès Jiménez dit clairement que Martine sont éléments importants dans le dossier. Mais c'est clair. C'est clair, mais nous comprenons ça. Nous pas dit que Martine n'a impliqué notre Marie. Non, non. Mais comprendre que, normalement, on dit que si une action déroulée en côté, et puis, ou t'es témoin ou t'es là, si c'est certain que vous êtes capable de dire. C'est là, elle a nouillé, oui. Au contraire, c'est Martine qui a permis que de sa Bible avance. Oui. Parce que quelque part, il était témoin. Et si c'est certain, il peut-être était en désactabdio. Et peut-être il était doit ouais, mon qui était entre. Mais c'est vrai, mon qui était entre, il était doit mettre cagoule, mais quand même, il est capable de dire. Et moi, je dit au bagage dans l'émission avant. Et je me suis fait ailleurs. Moi, je dit que. A fait cette histoire comme si dans l'ordonnance, Lionel Valmoin t'a fait connaître que Martine Devine en bas dans le palais national deux jours avant, Devine débarrassé qu'elle préside le palais national deux jours après, l'idée moi-même jusqu'à présent, moi estime, que ça n'a pas campé sur rien. Parce que surtout après deux jours après l'assassinat président. Parce que, au monde qui sous choc, au monde qui victime de assassinat Maril, et des témoins qui ont gardé comment que tu as tué Maril, m'a quoi deux jours après, que moun sa t'a gâté dans la normalité, pour comme si il t'a gâté fait appel. Ça, vrai, moi, tout est très fort. Moi, tout est très fort, zami éternel, moi, yo. Moi, tout est très fort, parce que, moun dans la situation de choc, pour deux jours après, pour serrer l'état et les moun, pour venir débarrasser de l'espace, bah, t'es moun de l'espace. Ça veut dire, m'a pas fait avocat du diable. Et m'a quoi m'a mette travail juge là en question. Bien que qu'on zami qui écrit, tous amis ont dit, ben les actes désir, et nous pas qu'à mettre travail juge là, et en doute, en, m'a dit, jusqu'à présent, moi désir pas jamais ça. Moi désir pas jamais ça. Mais, ça que fait je dis, hein, nous pas questionné ordonnance juge là, hein, et moi, c'est en plus l'autre confrère qu'on s'en fait même travail ça. C'est parce que nous comptons qui niveau faiblesse qui gagne dans la justice haïtienne, non? Ok? Nous comptons qui niveau faiblesse qui gagne parce que le fait que nous montrons que juge Walter et c'est Voltaire, c'est comme si les gens de rapport, les gens de connivence avec un acteur comme Ariel, les gens de connivence avec un monteur comme Paul Denis, les gens de. Ça veut dire, c'est là nous-mêmes nous questionnons ça. C'est acteur qui parle, yo, qui lui-même montre que doute qu'il y a de ordonnance, qui fait nous-mêmes comme journalistes, comme secteur d'opinion, nous fait l'analyse sur ça ou tout. Est-ce que le juge Walter ou c'est Voltaire tout? Parmi 50 juges corrompus, que le président Jovenel Moïse t'a dit qu'il t'a fait le nommer, est-ce que le juge Walter ou c'est Voltaire va la donne? On a questionné ça. C'est ça, on a questionné. Et c'est l'ennuyé. Et n'a questionné tout. Comment fait que, gen de moun ke juge l'entende, lè que nous fête ordonnance là, lè de moun sa ou de formation ou bay, qui sa qui explique que, et seulement ma kike sa karité dans le dossier? Hein? Bon, lè m'di ma kike sa, c'est vous n'kon Colombien yo, c'est vous n'kon de l'autre moun, pour qui sa fait que de l'autre moun, qui jusqu'à présent, qui libère en Haïti, qui a marché, nous pas dit pour moun sa arrêté, c'est pas nous juge là. Mais qu'on a signé autant d'informations, autant de données dans mes juges là, il est capable de dire. Et moi, c'est que le dossier, il n'est pas arrêté là. Le dossier n'est pas arrêté là. Le dossier a avancé. Il a vraiment avancé. Et nous plus senti que la justice américaine plus envivancée que la justice haïtienne. Désimènes, comment on a fait, Frem? Très bien. T'as plus un abdadel et l'actualité a dominé par ordonnance que les juges là.
et qui t'a inscrit dossier, assassinat ancien président républicain Jovenel Moïse. Vous avez parlé de Jésus Walter Michel Voltaire quelques jours avant et fait mandaliste normalement remettre ordonnance là et qui pratiquement amène et paquet pour caisse cependant journée et qui était 21 février 2024 là. On va regarder surtout avec invité que nous gagnons pour aller divers l'autre point à clé et pour fixer une position pour comment que comprendre ça va passer dans le pays d'Haïti. Je vous dis l'explication. Et bateau Junior, comment est-ce que frère, la forme? Mon cher, moi, très bien, grâce à Dieu. Je salue au Blaise, je salue tout auditeur, auditrice, captain de l'émission. Et moi-même, son plaisir à chaque fois que je suis invité dans cette émission, je salue tout haïtien, haïtienne qui vivent au niveau du 11e département également. Ok, bateau. Madame, oui, tout comme moi, salue à l'intérieur du pays d'Haïti, tout militant, militante, qui a goumé pour que nous arrivions à créer une autre situation, une situation de bien-être pour les haïtiens, hein, qui, depuis, on est capable de dire plusieurs années, que les politiciens, renégats, ravis bien-être ça, dans mes peuples haïtiens, hein, et nous capables de dire, dans le dernier moment, ça, c'est pire avec, nous capables de dire, l'arrivée de Ariel Henry et toute équipe li, qui est formée gouvernement, nous capables de dire, apatride, gouvernement congé, gouvernement illégal, gouvernement illégitime, qui accaparé, nous capables de dire, pays a depuis environ plus de 32 mois. Donc, c'est comme ça que moi-même, Bateau Junior, qui c'est président Grand Rassemblement des Haïtiens Nationalistes pour le Travail, qui à l'intérieur de FND, Force Nationale pour la Démocratie, qui constituait la coalition nationale des forces progressistes pour le moment. Oui, et d'accord, sans problème. Bateau, nous allons regarder ça ensemble avec vous, puisque j'en tiens, ou déjà commencé avec dossier Jovenel et dossier Ariel Henry, pardon. Et nous allons regarder ça ensemble avec vous. Comment vous-même, et comme dit j'ai des partis politiques, ou comprendre que 31 mois, mais 30 mois Ariel Henry. Est-ce que vous avez un bilan avec 30 mois, mais 31 mois Ariel Henry? Qu'est-ce que ça bilan est pour nous-mêmes? Bon, très bien. Qui est-ce qu'on parle de bilan? Ou parler de bilan, c'est et chaque fois que yon moun li te gen une responsabilité li pa rive accompli responsabilité a m capable di à 100% ou bien li accompli à 100%. OK, les ça ou capable font bilan ou capable di soit li gagne 5 sur 10 ou bien li gagne 9 sur 10 ou bien li gagne 8 sur 10. Mais dans le cas de Ariel Henry, pa gen bilan, pa gen bilan parce que Ariel Henry avec toute équipe li prend pays en otage depuis environ plus de 31 mois, li pral sous 32 mois là, eh bien nous capable di nous pas capable parler le bilan de Ariel Henry parce que dans cadre Ariel Henry te prend pouvoir là, Ariel Henry te gagné entre 90 jours et pour pipiti et 120 jours pour plus pour te organiser élection pour que te gagne autorité légitime quitter prendre le pays. Malheureusement, c'est pas ça le fait. Li arrivé signé au premier accord en septembre 2021 qui est accord 11 septembre. Eh bien, li fait environ capable dire un an, trois mois, li pas respecté accord ça. Eh bien, le 21 décembre 2022, li signe au deuxième accord avec presque les mêmes acolytes, 600 000. Eh bien, encore, il n'est pas honoré à cause ça. Seul bagage que nous sommes capables de dire qui est gagné à cause ça, c'est de mettre le campéon HCT. Il est seulement formé HCT. Depuis qu'il est formé HCT, il est gagné pour organiser le conseil électoral. Il est gagné pour créer un climat d'apaisement. Il est gagné pour garantir la sécurité dans le pays. Ariel n'a pas fait rien. Au contraire, Ariel a augmenté la misère du peuple là. Parce que les Ariel te prend pouvoir capable dit après assassinat crapuleux ancien président Jovenel Moïse capable dit les ça ont ti boîte lettre dans pays a
te vend moins que 40 gourdes. Jodi a là et une boîte lettre dans le pays d'Haïti, li vend jusqu'à 75 gourdes. Un petit gourde du riz, les Ariel te prend pouvoir là, et petit gourde du riz a te vend 25 gourdes. Jodi a là pour mon acheter un petit gourde du riz ou presque non sous gagner 75 gourdes dans mon ou pas cache ton petit gourde du riz. Donc cela veut dire Ariel li multiplier misé peuple par 3. Et si nous prenons encore question essence gaz là, les Ariel te prend pouvoir et galon gaz à te vendre environ 240 gourdes. Et bien journée jodi a là galon gaz là li vend presque 600 gourdes. Donc c'est pour montrer que Ariel Henry ça le fait lui-même. On capable dire c'est misère que crée dans pays là, il crée plus en insécurité parce que les Ariel te prend pouvoir. C'est seulement Matisse qui a un problème, oui. Mon te kan passer au niveau canard sans difficulté, au niveau Kwadebouke, c'est peut-être monsieur 400 Maozo, mais tu as une circulation au niveau de Kwadebouke. Eh bien, du moment que Ariel prend pouvoir, Ariel li multiplie gang à travers tout territoire pays là. Canaran journée jodi a là, moun pa ka passer pour descendre dans le nord et Kwadebouke moun pa ka passer encore pour Almir Balè. Nous saute pas nous saute saute bon drame qui saute rivé là au niveau de Mont Cabrit et Mont Cabrit côté que monsieur Kassam Maozo yo arrivé criblé près d'une dizaine de personnes côté que même chauffeur a mouri une majorité moun qui était dans tibus ça et perdu la vie. Et bien, pour pas même temps le gouvernement sorti pour que lui-même lui déplorer situation ça et qui rivait. Tandis que nous songer t'es gagné et building qui effondré à Cuba côté t'es gagné deux ou trois monde qui t'es victime. Et bien monsieur t'es envoyé sympathie by capable dire gouvernement cubain. Nous songer en 2022 t'es gagné un ancien premier ministre japonais qui t'es mouru. Monsieur Roy, c'est parti le premier ministre japonais. Donc, c'est une façon pour nous dire de manière ironique que Ariel Henry n'a pas représenté le peuple haïtien. Oui, peuple haïtien a mouru plusieurs côtés, Canaran, Carrefourfeuille, Mariani, par dizaines. Et Ariel n'a pas guère de questions ça. Nous capables de dire pour l'année 2023, c'est près de 5000 mounes d'après le rapport Binu Bay qui perdu la vie. Oui, rapport Binu. Donc ça veut dire que rapport officiel Nations Unies. Donc mais qu'il y a plus que 5000 monde ça qui mouille. Yo bay 5000, mais qu'il y a plus que 5000 monde. Le monde qui perdu la vie yo que yo pas connaît, monde qui pas gagne nous etc. Nous gagne plus passer 7000 monde qui perdu la vie en année 2023, mais yo même yo bay un rapport 5000. Donc c'est déjà on capable dire c'est une catastrophe et qui tablit et sous tête pays. Donc si n'a parlé de Ariel Henry, nous pas qu'à parler de bilan, OK? Son bagage est catastrophique tout bonnement et nous croit que Ariel Henry journée jodi a là, il représentait un terroriste. Il représentait un terroriste. Hein? Tout le monde connaît que qui s'est passé 7 février 2024 là côté que monsieur monte en complot, monsieur assassiné plusieurs agents de SAP côté que monsieur Sao pas dans affrontement avec la police. Donc yo rangé en embuscade, yo assassiné de monde qui t'a servi pays, de monde qui était dans au corps qui était formé par l'État. Donc nous dit mettez sous toute action ça yo, nous considérer Ariel Henry comme un terroriste à la tête de l'État pays d'Haïti et tout gouvernement Ariel Henry c'est des terroristes qui dans le gouvernement ça. Donc c'est pour ça nous dit tenu compte de rôle monsieur Sarouje, nous dit pas de négociation avec des terroristes. On ne peut pas négocier avec des terroristes. Nous dit monsieur Sayo, ils doivent laisser le pouvoir pour que gagne l'autre équipe qui prend RNPIA pour nous sortir dans situation catastrophique nous journée jodi à là. On avance des Ivennes. Des Ivennes avec tout et puis c'est des Ivennes à avancer avec question. On avance des Ivennes. Salut désir son plaisir. OK. Très bien Bartou, très bien. Nous comptons avec vous l'autre fois. Et après l'ensemble de râler ou bien mise en train que vous faites là yo, vous montrez que gouvernement Ariel Henry comme un gouvernement de facto qui pas de pièce volonté après ensemble accord qui aussi qu'elle pas respecté.
Je dis à dans qui catégorie que ouais Ariel Henry comme ancienne autorité ou bien comme actuelle autorité? Ariel Henry de fait Lila, mais Ariel Henry n'a ni qualité ni titre. OK. De fait, Ariel Henry, c'est un accapareur. Il n'a ni qualité ni titre. C'est ça qui fait que je pense qu'il y a plusieurs organisations qui saisissent déjà non seulement ULCC sur le plan pénal, mais sur le plan administratif, qui écrit la Cour supérieure des comptes ou dit la Cour supérieure des comptes que Ariel Henry n'a qu'à engager l'État après 7 février sur le plan financier. Toute action Ariel posée après 7 février 2024 là, il y a nul et non avenu. Ariel a gagné tôt ou tard pour répondre devant la justice pour toute action qu'elle commette et n'a pas reconnaître ça, ce sont des crimes financiers parce que Ariel n'a gagné aucune qualité ni titre pour engager l'État d'Haïti après 7 février 2024 là. Parce que c'est pas nous-mêmes qui disons. Nous pas demander Ariel publier accord dans moniteur, c'est Ariel qui prend accord, lui publie dans moniteur pour le prendre engagement pour le 17 février 2024 la remettre en pouvoir. Donc si Ariel là faut dire que pas gagner aucun monde en Haïti qui reconnaît Ariel, c'est seulement les États-Unis qui lui-même qui représente aujourd'hui là nous dit yon pi gwo et danger pour le monde, yon danger pour la stabilité du monde, yon danger pour la démocratie mondiale, parce que il n'est pas possible pour que après 7 février, pour que les États-Unis invitent des autorités illégitimes, des autorités illégaux au niveau de Washington pour faire réunion avec eux sur la question de sécurité. Donc cela veut dire que les États-Unis aujourd'hui est un danger pour Haïti, est un danger pour la démocratie dans la région. Les États-Unis, particulièrement le gouvernement Biden est un danger pour la sécurité mondiale. Parce que façon que le gouvernement Biden l'a mené, on est capable de dire, back le monde, l'op garde ça, Israël a fait au niveau de Hamas, où Biden a supporté le premier ministre israélite. Hein, pour ça que cap passé là, donc on dit le gouvernement Biden est un danger pour la sécurité du monde. Le gouvernement Biden est un danger pour la démocratie mondiale parce que si n'a gardé la caillou, s'il y a pour pencher Trump qui était arrivé à un certain moment et souillé, on capable dire Capitole là, souillé le Congrès américain. Jusqu'à présent Trump dans le collimateur de la justice. Mais comment vous comprenez que Biden lui-même n'a pas respecté l'institution de notre pays, n'a pas respecté sa relais institution qui gagne en Haïti, n'a pas respecté loi qui gagne en Haïti. OK, l'a violé comme si que l'autre côté n'a pas existé, c'est comme si c'est États-Unis qui existait simplement. Non, nous dit ce n'est pas possible, c'est comme si il y a deux mondes. Il y a le monde des Américains et il y a l'autre monde. Hein? L'autre monde n'intéresse pas les États-Unis. OK? Le monde qui est intéressé, c'est la taille simplement. Donc, nous disons c'est grave. Et je dis à là, ça que nous-mêmes en Haïti, à vivre avec le comportement des États-Unis vis-à-vis des Haïtiens. Très bien. 7 février 2024, Ariel Henry t'a doué quitter le pouvoir, selon ça, il a signé un accord et qui allait directement dans l'article 21 de l'accord du 21 décembre. Et Ariel Henry t'a décidé d'aller, il a décidé avec la population haïtienne. Et lui dit, c'est l'élection qui mérite faite pour remplacer le gouvernement qui a dirigé là, ou même comme protagoniste, comme acteur qui a assisté à sa capacité en dedans pays. Ariel Henry lui a activé une force répressive avec la police nationale d'Haïti, côté tout mouvement qui a fait, qui a rassemblé depuis dans Genèse, le gaz lacrymogène. Et pas qui moyen que nous voyons Ariel Henry a privé avec ses pouvoirs à tout support communauté internationale qu'il gagne, je veux dire. C'est bien compté, mal calculé pour Ariel Henry. Parce que à chaque jour que Ariel passe en plus dans tel pays d'Haïti, Ariel ne fait qu'aggraver sa situation, ne fait qu'aggraver son avenir. Comme avenir Ariel déjà devant,
pour un monde de 74 ans, nous pensons normalement qu'on l'a joué ou t'as eu un sage. Mais nous, ce n'est pas le cas pour Ariel Henry. OK? Ce n'est pas le cas pour Ariel Henry. Donc, nous disons, quel que soit le monde qui vit dans la situation Ariel Henry, nous considérons comme cadavre. Ariel est un cadavre politique. OK? Sur le plan politique, quel que soit le monde qui pense au cas composé avec Ariel Henry, eh bien, ou après le même côté avec Ariel Henry. Parce que, pas un rien, il fait un cadavre. Cadavre, une fois que, où il fait une situation ça, eh bien, que ce cadavre naturel, que ce cadavre politique, eh bien, cadavre, c'est enterré ou enterré ça. Eh bien, nous dit, Ariel Henry, pas gagné, l'autre bagaille que tu as fait, c'est laisser le plus rapidement possible, on capable de dire, tête primature là. Okay? C'est un compromis haïtien. Nous pensons le possible pour Ariel Henry quitter. Et si Ariel Henry a décidé de quitter, ou même Bato Junior à travers le futur, qui va pas tenir, est-ce que nous avons une proposition? Est-ce que nous avons un plan avant et après Ariel Henry pour quitter le pouvoir? Bon, mon cher Fomdou, ça très bien. Oui, il y a, des propositions. Et je crois que actuellement proposition qu'a fait Chemel, je capable dire à travers le congrès Wanamet organisé par sous l'initiative d'une organisation appelée l'Amour pour Haïti, MLA. Donc il y a en pile l'autre organisation en Haïti qui t'a emboîté le pas. Okay. Et bien, organisation haïtien qui a vécu dans la diaspora. Oui, haïtien qui a vécu dans la diaspora. Et bien, avec l'initiative organisation, ça nous a organisé le congrès Wanamet. Et il était clair que les congressistes qui ont participé dans le congrès, ça à travers les 10 départements, ils étaient sortis avec une résolution. Et dans la résolution, il est clair que nous allons vers un exécutif bicéphale, côté que on va devoir choisir un juge à la Cour de cassation parmi les juges régulièrement nommés et un premier ministre de consensus, ok, entre les secteurs politiques, capable de la société civile, le secteur privé des affaires, etc. Donc, je pense que c'est une proposition raisonnable. Parce que si nous prenons par exemple le choix d'un président à la Cour de cassation, ça fait partie, on est capable de dire, de la précédence historique, parce que nous n'avons pas besoin d'aller plus loin. Si nous prenons après 86, nous sommes capables de dire à chaque fois que le pays se trouve dans cette situation, c'est toujours à travers la Cour de cassation que nous allons pour trouver un président. Nous sommes capables de dire, ça qui est plus récent, yo, avec Pascal Tatouyo, c'est là que nous sommes arrivés à organiser la première élection démocratique de ce pays. Et enfin, si nous prenons le maître Boniface Alexandre en 2004, après le départ du président Jean-Baptiste Aristide, c'est lui qui est arrivé à organiser l'élection qui te permet que le pays a repris rail, nous sommes de dire, démocratique et institutionnel. Donc, je pense que je dis à là, et même si la Cour de cassation a une faiblesse, mais nous croyons que le congressiste est clair, il dit parmi les juges régulièrement nommés à la Cour de cassation. Donc, c'est pour vous dire, oui, il y a une proposition. Donc, il y a essayé de créer confusion parce que Ariel comprend très bien. Objectif, c'est garder le pouvoir le plus longtemps possible, OK, sans faire rien. Et je dis à là, nous dit le peuple ne peut plus attendre, le pays ne peut plus attendre. Nous capable dire une équipe monde qui gagne au pouvoir depuis plus de 31 mois et objectif c'est faire de l'argent. Donc c'est pas satisfaire nous capable dire les intérêts du peuple, les intérêts des nationaux. Au contraire, c'est le monde qui a servi aveuglement l'international, OK? Pour que on pas connaît pourquoi mais ce sont des monde qui versaient et régulièrement qu'a servi international. Bon c'est le monde qui n'a pas ça, ma bon exemple. On va citer le dans mon moment d'enquête comme journaliste, qui pas même en Haïti même, qui a touché comme l'État, et puis, moun sa ou se, là-bas, il y aurait été, et puis, il a touché comme l'État. À qui tu as touché comme ça? À qui tu as touché comme ça, Ebato? Pardon? À qui tu as touché comme ça, moun qui là-bas, ça ou?
À qui tu t'as touché comme là? Donc, c'est pour vous, nous t'arrêtons comme journaliste, mais d'enquête, pour vous, donc, comment que l'État ça a fonctionné, il y a des gens qui ont joué privilège l'État, ok? Oui, jusqu'à là, il y a des problèmes. Il y a des frères de l'État, qui ont vivre à l'étranger, ces frères de l'État, mm-hmm. Et bien pendant ce temps, il n'y a pas même en Haïti même, mm-hmm. Il n'y a pas même en Haïti. Donc, c'est comme ça que le pouvoir ça a fonctionné. C'est un pouvoir qui sortit pour le finir avec toutes les ressources qu'on est capable de dire que le pays a gagné. Soit Ariel Henry, là, mes amis. Le budget de l'État, là, les multiplier par trois. Oui, regardez le budget Ariel Henry, là, et par rapport avec le budget Ariel Henry, t'es jeune. Pas gagné, président. Budget de la présidence augmenté. Pas gagné. Et député, pas un sénateur. OK? Mm-hmm. Budget et palais législatif augmenté. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que c'est une équipe qui finit avec toute la richesse pays. OK? Il n'a pas fait rien. Net n'a pas construit route. Il n'a pas construit l'hôpital. Il n'a pas fait rien. Pendant ce temps, net ça, il a augmenté, il a multiplié par trois les recettes de l'État. Et pendant ce temps, pendant yo là, oui. C'est le moment côté DGI rentre plus scope, côté la douane rentre plus scope. Mais ou pas, ouais, qui ça, monsieur, ça a réalisé pendant 31 mois. Mm-hmm. Pendant 31 mois. Donc, pour nous dire que, mais dans quelle situation que Haïti a fonctionné? Bateau, vous sentez que c'est un bagage normal pour la douane rentre plus scope pendant ensemble activité totalement diminuée? Est-ce que pas gagné des codes qui sont dans des couloirs selon même selon lecture que vous faites des dossiers ça et qui pas normal qui rentrer dans le système là qui permet ensemble des rapports qui a soumettre sur ensemble des chiffres que moi a présenté dans temps normal les gars activités et chiffres nous pas dans des modèles ça. Mon cher forme d'où ça très bien. C'est parce que au niveau de la douane et toujours manquer de transparence. Parce que chiffre qu'on entendait avant yo, c'est parce que gon on série, on capable dire de moun et les gain députés, les gain sénateurs, et mais pour la plupart c'est de moun qui gain franchise, qui a fonctionné, et bien ça vient faire que gain ou diminution de rentrée au niveau de la douane. OK. Mm-hmm. Mais pour le moment ou capable de constater, pas gagner de député, pas gagner sénateur, pas gagner de monde, ça vient faire que et recette la douane lui augmenter parce que pas gagner moins monde qui gagne franchise, OK? Et c'est seulement capable dire les diplomates et certaines églises qui gagne qui bénéficient de franchise, mais en gros pas gagner une série de monde qui a utilisé la douane pour régler affaires personnelles yo. Donc et c'est ça qui fait que me capable dit peut-être il fait que recette augmenté au niveau de la douane. Mais ça me capable dit également tout. Donc gain de port et côté que quand gain les contrebandes et qui passe là-dedans yo. Eh bien, pour ça, fermé à cause de questions d'insécurité, c'est peut-être au niveau seulement Port-au-Prince. Ça vient de faire que toutes les secteurs concentrés au niveau de la douane de Port-au-Prince. Et c'est ça encore qui est capable d'expliquer nos augmentations de recettes au niveau de la douane. Je vais regarder ça avec Koubatou Junior. Puisque tu as l'air ou essayer de garder à Motokis, comment que la communauté internationale, le gouvernement américain ou bien l'administration Biden-Harris, non, a supporté Ariel Henry et c'est eux-mêmes qui t'a même qui aimé Ariel Henry. Selon ça, on se peut montrer là. Non, à quel niveau, mais qui action posée, qui montre que et c'est eux-mêmes qui a supporté Ariel Henry et qui aimé Ariel Henry dans la dimension en parlant là? La preuve est bien grande. Parce que dans quel pays vous attendez, yon équipe moun côté que mission yo te gagné nan tête ou l'état fini après 7 février 2024 mm-hmm. C'est que moun sa yo pa gen ken responsabilité pa gen ken engagement ou capable prendre de l'état mm-hmm. Eh bien ou sot tande gon réunion qui organisé Washington ensemble avec mini justice directeur général police nationale. Eh bien, dans la réunion, ça, je prends engagement pour mettre un bureau, ça, le Homeland
security en Haïti. De quel droit? De quel droit? Par un parlement. D'ailleurs, c'est déjà, on t'a pas dit, un marque de question de ingérence. C'est-à-dire, de notre violation de notre souveraineté. OK? Donc, Jean de Bagaille, ça, nous connaissons ça très bien. C'est un parlement qui est capable de ratifier. Yo, et encore moins, un gouvernement de facto qui n'a pas gagné ni qualité ni titre. Côté que, mission depuis après 7 février 2024, il n'y a pas aucun titre encore, aucune qualité. Donc, c'est pour vous dire ça, c'est déjà un bagage qui est très grave. Lorsque les États-Unis prennent un engagement, signer un accord pour mettre un bureau de Homeland Security en Haïti. Donc, ça, c'est une preuve. C'est une preuve que les États-Unis, lui-même, n'ont pas respecté rien, n'ont pas respecté la souveraineté d'aucun pays, n'ont pas respecté le droit à l'autodétermination d'aucun peuple. Donc, ils pensent que ils ont des armes, ils sont les maîtres du monde, ils peuvent tout faire, donc, et ôter la vie et faire ce qu'ils veulent. Donc, ça, nous-mêmes, nous déplorons, nous disons que ce n'est pas possible. OK? Même si tu as des armes pour faire quoi que ce soit, nous pensons que il y a des limites pour ne pas arriver. Il y a des limites pour ne pas arriver. Parce que les États-Unis, toujours, à parler de pays et qu'à faire respecter la loi, de pays qu'à faire respecter la démocratie. Okay. Donc, mais je pense que ou pas qu'arriver dans la limite de l'indécence. Pour nous-mêmes, ça qui vivait là avec monsieur, dame en Haïti, c'est la limite de l'indécence. Et ça, nous-mêmes, comme citoyens, nous pas qu'à accepter pour que États-Unis a mes pieds sous coup un pays comme ça. Mm-hmm. Et nous-mêmes, Haïtiens, nous sommes peuple qui fait l'histoire, nous sommes peuple qui a une dignité. Est-ce que ça t'a dit, Bato Junior, ou tout bon une réaction contraire à après déclaration, chargé d'affaires américain qui est Eric Stoltenmayer, qui te fait connaître que par une question de transition, par rapport à la transition? Bon, je pense que et chargé d'affaires américain, il est tombé sous tête. Comment ça? Pourquoi ça? Ça l'a dit. Allez-y. C'est pas un monde qui m'a dit. Non, monsieur tombé sous tête. C'est pas un monde. Pourquoi ça? Non. Moi, d'où monsieur tombé sous tête? Uh-huh. Monsieur tombé sous tête parce que, qu'il ne va pas, monsieur, par contre. On avance. Là, monsieur parle de transition. Qui ça, une transition? Une transition, c'est pas au monde. OK? Une transition, c'est une situation qui permet que vous sortiez d'un point A pour parvenir à un point B. Mm-hmm. Et dans une transition, ou capable et changer de direction avec telle ou telle équipe. Mm-hmm. OK? Ou capable changer d'équipe. Pourvu que nous capable dit équipe qui était là pas permettre que ou sorti de point A pour venir à point B,